tonight. We can find some place to go. Bonjour, bonjour à tous et à toutes, c'est Kiri Talk Night 064, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous l'avais promis il y a quelques mois déjà, on se retrouve enfin sur le Let's Play de Sonic Force, enfin Let's Play. De mon côté, j'ai déjà eu l'occasion de finir le jeu deux fois, en tout cas dans sa trame principale. On va mettre la difficulté en difficile parce que bon, on est habitué à jouer au jeu Sonic. Mais je comptais le faire sur la chaîne avec vous, donc on va le faire ensemble, c'est parti. Sonic, comme je le déteste. Et j'ai concentré toute cette haine dans cet invincible instrument de destruction. Chaque défaite, chaque humiliation que m'a infligé ce maudit hérisson lui sera rendue au centuple par mon invincible grâce. Mon rêve va enfin se réaliser. Grâce à cette brillante invention, je vais pouvoir repousser les frontières de Eggman Land et dominer le monde. Ok, patron, rigole pas cette fois-ci. Y a pas à dire, le doc il a l'air en forme. On est parti. Et on commence de suite avec Sonic Moderne. Bon, on va passer les tutos, hein, parce que bon. Allez, on va aider Tails. Alors, la zone Green Hills, oui, qui a pas mal changé, mais bon. Grand classique des jeux Sonic. Bon, comme j'ai dit, j'ai déjà fait le jeu deux fois de mon côté dans cette trame principale. Bon, je connais les touches, tout ça. Bon, ça a pas changé depuis Sonic Unleashed, tout ça. C'est toujours les mêmes boutons. Hein. Le gameplay à base de turbo pour Sonic. C'est toujours aussi jouissif de courir à toute allure dans ces vastes environnements. Allez, on trace, on file. Alors sur ce Let's Play, on va découvrir le jeu ensemble. Hein. Bon, enfin, pour ma part, je l'ai déjà découvert. Je l'ai déjà dit. Mais pour vous, j'imagine que si vous êtes là, soit c'est parce que vous voulez me voir me vautrer en beauté, soit vous ne connaissez tout simplement pas le jeu. Ou... Voilà. Les collines vertes de Green Hill devraient s'appeler les collines sablonneuses.
Ouais, alors je sais pas si c'est Eggman qui est responsable de l'état de la zone Green Hills, j'imagine que oui, ça c'est pas expliqué. Voilà. Si vous voulez mon avis complet sur le jeu, il y a déjà le test qui est disponible sur la chaîne. Je l'ai mis en ligne le mois dernier, vers le début novembre. Si vous voulez vous faire vraiment une petite idée du potentiel du jeu. Oh, le rang S d'entrée. Bon, d'accord, c'était le niveau 1. C'est pas trop compliqué de l'obtenir là-dessus. De mon ultime cheval. Shadow, c'est toi? Zavok? Metal? Chaos? Bonjour le fan service. Une fois Sonic vaincu, l'armée d'Eggman prit rapidement le dessus. En quelques mois, le monde tombe sous son contrôle, à l'exception de quelques zones éparses. Contre toute attente, une résistance désordonnée se forme, s'unissant pour continuer le combat. Et maintenant, un nouveau visage s'apprête à rejoindre la lutte. Rien ne pourra arrêter l'armée d'Eggman. Sans Sonic, le peuple perd espoir et cède à la panique. Nous n'avons pas le temps de paniquer. Je rêve toujours que Sonic revienne. Vous croyez qu'il est... Je suis optimiste, mais je suis aussi réaliste. Sonic nous a quitté Amy et Tails. Il a complètement perdu l'esprit. Si on veut triompher, il va falloir se passer d'eux. Silver a raison. Ça fait 6 mois qu'on attend qu'un miracle se produise. Mais j'ai bien peur qu'on doive le provoquer nous-mêmes. L'armée d'Eggman terrifie tout le monde. Si nous voulons que les gens se reprennent, il faut leur montrer que la force ne provient pas forcément du nombre. Tout le monde n'est pas terrifié. On ne peut pas avoir une nouvelle recrue aujourd'hui. Si, un survivant de la ville, n'est-ce pas? Je vais consulter le fichier. Ah, et nous y voilà, la création d'Avatar. Bon, je vais faire ça très très vite, hein. Je sais exactement ce que je veux. Je vais recréer l'avatar que j'avais sur mes 2 sessions précédentes. Parce qu'il me correspond, tout simplement. Il n'y a pas de raton laveur, hein. C'est dommage. Mais le loup, il ressemble pas trop mal. Donc on va se faire un petit loup noir. En fait, c'est le même loup que vous avez vu dans les trailers du jeu en rouge. Mais moi, je le veux en noir, avec son petit costume. La pose, c'est celle-là. On est parti. Quel est le bilan, mon commandant? Je suis content de vous trouver en vie, les gars. Les troupes d'Eggman ont réussi à abattre notre défense, à Green Hill. Et d'après le rapport de la Résistance, quelle que soit la chose qui a vaincu Sonic... Ah, désolé, j'ai toujours du mal à me faire à l'idée. Bref, ce truc a l'air de leur ficher une trouille monstre. À tout le monde, sauf à notre futur recrue, qui a survécu à la bataille et est arrivé ici, sain et sauf. Je vous présente donc notre nouvelle recrue. Fais pas de mine, tiens. Bah, toi non plus, Charmy. Et pourtant, ton dard nous a sauvé la mise à plusieurs reprises. Tiens, vas-y, prends ça. On compte sur toi maintenant. Bien, il est temps d'y aller, les amis. Le monde va pas se sauver tout seul. D'accord.
Ok, ok. Eggman qui a conquis quand même 99,99% de la planète. Shadow de Seljog est jouable. Allez, on va par ici. Incroyable. Sonic est en vie. Incroyable. C'est sublime. Quoi? Quel soulagement. Je le savais, j'en étais sûr. Il est retenu à la prison en orbite. Mon espion là-bas indique qu'il est enfermé dans une cellule de confinement et qu'il est torturé depuis des mois. C'est horrible. Il faut lui porter secours. C'est ce qu'on est en train de faire, Amy. J'ai une équipe en chemin pour le port spatial dans l'usine chimique pour emprunter une navette. Allez, les amis, qui est partant pour une évasion de prison à l'ancienne? Ok, donc on va... Ah, t'es Chemical Plant, ça me rappelle pas de très bons souvenirs, mais bon. On va donc voler une navette à Eggman pour pouvoir aller dans l'espace. Et comme ça, vous allez voir un peu comment se joue l'avatar. On va commencer à combattre l'ennemi dans le tunnel orbital. Je pense qu'on peut les retenir pour l'instant. Non, une seconde! Attention! Le monstre masqué est là. Celui qui a un Manus. Ne te déconcentre pas, la recrue! On va chercher une navette! Allez. Bon, ça va. Rien de compliqué. Ah ouais, mais c'est le respawn de flamme au début. Ah, je préfère celui de flamme. Bon, c'est pas grave. On l'a pas débloqué encore. Notez les musiques sympas lors des stages de l'avatar. Oh, le boulet! Quel boulet! Les Wisps, ils sont toujours présents depuis Sonic Colors. On les avait un petit peu vus dans Génération aussi. Maintenant, seul l'avatar peut les utiliser. Bon, je suis pas là pour parler de ce genre de petits détails, mais bon, vous pouvez retrouver tout sur le test du jeu déjà paru sur la chaîne. Je vous renvoie là-dessus. Hop là! Joli timing. Oh, j'ai raté l'étoile, mais quel boulot. Ah, si vous voulez voir du bon jeu, c'est pas ce let's play qu'il faut regarder. Encore que ça va, pas si mal que ça. J'ai fait pire. Enfin, on n'est pas sur les derniers niveaux encore. Green Hills avec l'avatar, non, c'était une horreur ce niveau-là. Et l'Imperial Tower à la fin. Oh là là là. Allez. Ah, c'est pas vrai. Si je perds tous mes anneaux, je risque pas d'avoir une bonne note à la fin du stage. Allez, tout va bien. À gauche, à droite, re à droite, re à gauche, re à gauche, re à droite, re à droite. On repart à gauche, tout va bien. Ah ben déjà, on est à la fin. On est déjà à la fin. 152 rings, 3 minutes, ça va. Alors, on n'a pas le rang S, mais c'est pas bien méchant. Sega, le costume de Shadow,
Costume de Persona. Allez, on enchaîne. Ça aurait dû marcher. J'ai pas pu trouver les infos qu'il fallait. Désolée de pas avoir été à la hauteur. Chaos. Sonic, à l'aide. Dimension, je me trompe? Mais oui, bien sûr, c'est forcément ça. Enfin, je crois. Mais comment t'es arrivé là? Peut-être que le pouvoir qu'Eggman utilise affecte aussi d'autres dimensions. Et on pourrait tourner ça à notre avantage. Parce que ça peut pas être un simple hasard, pas vrai? On doit sauver le monde. Et c'est peut-être pour ça que tu es apparu, pour nous aider à le sauver. En tout cas, ça fait plaisir de te revoir, Sonic. Ça, ouais, et peu importe la dimension d'où tu viens. Alors pour ceux qui se poseraient la question, le petit Sonic qu'on voit et Tails se sont déjà vus par le passé dans l'épisode Sonic Génération. Le Sonic d'une autre dimension était déjà disponible dans cet épisode quand il était sorti, sauf que c'était un Sonic venu du passé et pas d'une autre dimension. Mais je pense que pour des facilités scénaristiques, ils ont été piochés et ils ont un petit peu changé le contexte. Mais c'est bien le Sonic qui était présent dans Sonic Génération, et comme Sonic Force fait suite à Sonic Génération, voilà, cherchez pas trop loin, c'est aussi simple que ça. Il est à noter que ce classique Sonic que vous voyez à l'écran, si je ne dis pas de bêtises, c'est le classique Sonic qui était dans Sonic Mania du coup, parce que Sonic Force fait également plus ou moins suite à Sonic Mania qui était l'épisode en 2D sorti cet été. Après, je n'ai pas encore trouvé le lien, mais il y a des trucs qui ne trompent pas, et la pierre que a Infinité sur lui, le fait qu'il vienne d'une autre dimension, celui-ci, n'est pas impossible non plus, il y a des petits trucs comme ça. Et j'ai raté mon truc, c'est pas grave, il n'y a rien de grave. Alors pour ceux qui ont peur, j'en parlais un petit peu dans mon test de Sonic Force, mais classique Sonic, bon, il n'est pas aussi bien à manier que celui de Sonic Mania, mais il est quand même un peu plus léger que celui qu'on nous avait donné dans Sonic Génération. Donc, c'est pas vrai, qu'est-ce que je suis en train de... Voilà, on n'est pas trop mal. Il est un petit peu plus maniable que le classique Sonic qu'on avait dans Sonic... Non, j'ai trompé. Viens par là, je vous ai dit, hein, c'est pas ici que vous aurez du bon gameplay. Il est un petit peu plus maniable que le classique Sonic de Génération, déjà du fait qu'il soit un petit peu moins lourd. Parce que celui de le classique Sonic qu'on avait dans Sonic Génération était aussi lourd qu'une enclume, c'était incroyable machin. On a déjà fini le stage? Oui, parce que les niveaux sont quand même bien plus courts que dans les Sonic précédents. Mais comme chaque niveau a une déclinaison en 3 niveaux, bon, ça va, c'est pardonnable. Le rang S sur une étape Sonic classique. Et décidément, je me sous-estime. Voilà, on commence à débloquer des tenues pour l'avatar, c'est bien. C'est moche, tout va bien. Il y a 2 mois, dans la ville. Allez, petit retour en arrière. Nulle raison de résister. Je peux goûter ta terreur, mon enfant. Toute cette angoisse, ce doute. Quel délice. Succombe à la peur. Fuis en hurlant et je te laisserai la vie sauve. Bon, ben voilà, ce serait peut-être une bonne idée d'arrêter bientôt la vidéo là. Knuckles, tu m'entends? Rouge, il était temps. Comment va Sonic? Il a connu mieux. Il s'apprête à le catapulter dans l'espace. Quoi? C'est impossible! Eggman a gardé Sonic en vie pendant tout ce temps.
dans le seul but de lui montrer son emprise complète sur le monde, avant de le catapulter. Et il torturait Sonic pour passer le temps. C'est vraiment bas, même pour Eggman. Eggman a eu vent de notre plan de rescousse, et en réponse, il a avancé la date de son projet. L'heure approche, chef. Mais nous ne savons même pas où il est retenu captif. Si, on sait. Eggman a reconstitué son Death Egg. C'est là qu'il garde Sonic. Le Death Egg? Mince alors, c'est pas bon signe. Y a aucun bon signe dans tout ça, Vector. On n'appelle pas ça une guerre pour rien. Vous savez tous ce qu'il vous reste à faire. Allons sauver Sonic. Oui, on ira le sauver dans le prochain épisode. Donc on va se laisser ici. Au passage, mon avatar, tant que j'y pense, c'est censé être moi, donc c'est censé être Kirito, d'où le fait qu'il est noir. Voilà, bon, c'est tout pour ce premier épisode du Let's Play de Sonic Force. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, laissez le petit pouce bleu, comme d'habitude, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ça n'a pas été fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. C'était Kirito. À bientôt.